Hello, coucou tout le monde, j'espère. Attendez, vous n'êtes pas à droite, on me voyait mal. Hop, 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 voilà. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui, pas de fioritures, pas de chichi, tralala, pompon, bling, bling, soin, soin. Pas de guirlandes sur le sapin de Noël, parce que tout simplement, samedi, j'étais au restaurant, j'ai fait une grosse crise. Et en fait, la crise était tellement forte, les douleurs étaient tellement fortes que, en fait, ben voilà, je me sentais partir. Parce qu'en fait, le corps, au bout d'un moment, il vous dit stop, hein, il se met en sécurité, voilà, sécurité, sécurité. Il bloque tout, tac, 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 stop, on arrête, et on reviendra quand ça ira mieux. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ma responsable de sol, elle a flippé, mais comme deux pas, heureusement qu'on m'a arrêté là, parce que je suis sûre qu'elle m'envoyait à l'hôpital, elle. Hein. Elle faisait le 15, elle faisait les pompiers, elle faisait tout, hein. Voilà. Et non, non, faut pas s'inquiéter, hein, c'est comme ça, c'est. Voilà. Donc voilà. Donc aujourd'hui, pas de fioritures, pas de tralala pompon, parce que là, il doit être, je sais pas, 3h, 15h, on est le lundi 27. Et du coup, je suis allongée depuis ce matin et j'ai dit, là, flûte, crotte, bique, chouette, chouette, j'ai des courriers à ouvrir. Moi, la télé, c'est pas mon trip. Donc du coup, hop, j'y vais. Avant tout ça, j'ai une petite chose à vous dire. J'ai en fait au restaurant, je ne sais plus si c'est samedi ou si c'est dimanche, parce qu'avec cette crise en fait, il y a plein de choses que j'oublie. J'ai rencontré une famille, donc le papa, la maman et la jeune fille, mais alors d'une gentillesse, mais voilà, bon après, voilà, je suis très gentille aussi, hein, voilà, il faut juste pas me marcher sur les pieds, quoi, voilà. Enfin bref, donc du coup, on a bien discuté et tout. Et cette jeune fille a bien parlé avec moi. J'ai eu un petit peu de temps. Après, le temps, je le prends. Hein, ceux qui sont pressés, ils passent leur route. Hein, pressés. Non, c'est un dimanche. Parce que pressé un dimanche, hein, faut peut-être pas pousser. Donc, du coup, cette jeune fille s'appelle Saloé. Salo. On a parlé un petit peu. Et du coup, quand je lui ai dit que je faisais du scrapbooking avec bon, toutes les boîtes qui sont au restaurant, en fait, je les donne quand j'ai des clients qui sont hyper sympas, voilà, ou alors quand on vend à la boutique, pour offrir, je donne une petite boîte, voilà. Parce que sinon, j'aurais des boîtes partout. Et donc, du coup, cette jeune fille, on a parlé et elle fait de la musique. Elle est sur YouTube depuis pas très 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 longtemps. Et j'ai été écouter hier. Mais alors franchement, ce qu'elle fait, c'est magnifique. C'est superbe. Alors je pense qu'elle veut en faire son métier. Mais non, sans rire, franchement, je vous le dirais. Si c'était pas top, je dirais, ben non, je le fais pas. Vous me connaissez. Je vais vous mettre le lien en bas, en barre d'infos, là. Voilà. Et cliquez sur le lien et écoutez la chanson qu'elle a faite. C'est juste magnifique. Donc, si tu passes par là, Saloé, je te fais un gros bisou. Je fais un petit bonjour à ton papa et ta maman qui sont adorables aussi. Voilà. Et du coup, tu as mon numéro de téléphone. Donc voilà. Donc, si vous avez 2 minutes, franchement, prenez le temps. Ça dure pas très longtemps. On clique sur le lien et on écoute la musique. Et allez voir, en fait, la musique qu'elle fait et la chanson qu'elle a faite. C'est juste magnifique. Voilà. Je te fais des gros bisous, salaud. Donc, du coup, là, on fait ouverture courrier. Donc, j'ai reçu un gros carton. Je l'ai ouvert parce que, comme je ne suis pas très apte de mes mains aujourd'hui, dirons-nous. J'avais pas envie de me couper en plein devant vous, quoi. Donc, du coup, dedans, il y avait cette petite carte qui est trop mimi. Moi, j'adore. Alors, les couleurs, c'est trop mon trip. Vous avez vu? C'est juste magnifique ce qu'elle a fait. J'adore. On dirait, vous savez, ça ressemble un peu au. Ah, mais zut, je peux y arriver aujourd'hui. Ça me saoule. Bon sang. Là, Marianne, Studio Light, oui, on s'en fout. Art by Marlène. Regardez. Ça ressemble, mais alors, comme 2 gouttes d'eau. Mais c'est très joli, c'est très très beau. J'adore. Le petit hippopotame, là, avec un petit. Non, c'est très joli. Ah, t'as commencé le scrap avec mes tutos.
pas de référence. Au purée. T'es en Ardèche? Bah t'es à côté de moi. Oui, j'arrive à les surmonter, mais il y a des fois, j'arrive pas à les surmonter, hein, les douleurs. C'est elle qui me surmonte. Hein. Eh bien, Corinne, il n'y a aucun problème. Hein. Si jamais tu veux passer, bah, tu me dis, est-ce que t'es pas très loin de chez moi, hein, l'Ardèche? T'es pas loin. Bah non, t'es pas loin. Voilà. Alors, Piccola Handigraph Madualidas. C'est quoi ça? Regardez. Je ne sais pas ce que c'est. C'est plein de petits trucs. Ah, c'est du papier crépon. Encore la fille, je sais pas ce que c'est. C'est du papier crépon. Et du coup, elle a mis un petit picolin pour mettre autour. J'ai pas mes ongles, ouais, j'ai tout retiré, mais vous avez vu, ils ont vachement poussé. Hein. Je vais pas dire, mais je me donne quand même des fleurs. Hein. Alors, elle m'a envoyé plein de serviettes pour faire du serviettage. Il y a longtemps que j'en ai pas fait. Celui-là, il est juste magnifique. Ça, pour le printemps et l'été, j'adore. Pour l'hiver, maintenant, je fais plus rien. Ah, bah ça, j'adore. Ça, c'est trop beau, ça. D'ailleurs, je vais en mettre une de côté pour faire un tuto. Comme ça, j'y penserai. Ça, c'est plus hiver. Ça, c'est plus floral, lavande. Ça, bah, j'adore. Ah, bah oui. Bah oui. Moi, avec ma couleur tri-tri-chi-chi pompon chouette-chouette, là. Ça, moins, mais voilà, quoi. Ça, c'est plus doux. Ça va être le temps des jonquilles bientôt. Jonquille et muguet. Oui, c'est ça? Non, je ne sais pas. Je sais pas. Ça, c'est plus romantique. Ça, c'est plus romantique aussi. Ça, c'est la même chose. Ça, c'est plus pour les vacances. Love for you. Bon, ben, autant te dire que la Saint-Valentin, elle est passée. Ça, je vais le garder pour Noël. Avec les petites oranges et les bâtons de cannelle. Et ça, ouais, je peux m'en servir bleu et orange. Bah, ben, voilà. Hein, Voili voilou. Voili voilou. Bon, Sylvie, arrête de dire n'importe quoi parce que tu as un paquet de courrier à ouvrir. Tu es en retard, alors nous saoule pas. Ensuite, j'ai un petit truc comme ça. J'aurais dû l'ouvrir avant. Parce que je vais. Non, c'est bien, ça y est, c'est bon. Ah ben dis donc, t'as vachement emballé, hein. Bon, alors attendez, excusez-moi. Je déballe. Je redéballe. Je vais peut-être vous mettre un petit peu comme ça, puis je vous remettrai après, sinon vous n'allez pas voir ce que je suis en train de faire. Et c'est le bordel. Hop, je déballe, je déballe, je déballe. Je mets tout par terre. Hop, on va regarder ensemble ce que c'est. Voilà, puis je vous remettrai après. Alors, le papier, moi, autant me dire que. Si tu oublies mon nom, crie chocolat et je me retournerai. Ah, c'est trop mignon! C'est très très beau. Tu es au top. C'est très joli. Avec des petits morceaux de bois en dessous pour tenir pour faire les petites pâtes. Regardez comme c'est beau. Maintenant, vous ne voyez pas la fille qui est en train de manger du chocolat. Regardez, c'est juste magnifique. Et là, il y a marqué tu es au top. Bon, oui, vous le voyez à l'envers. Ah, regardez, dedans, il y a une petite tablette, une fausse tablette de chocolat. C'est trop joli. Fait main. Oui, je me doute. C'est trop beau. Alors, il y a des petits tags qui sont trop mimi. Alors, celui-là, il est trop mignon. J'adore, c'est un petit clone. Et du coup, dedans, ça se présente comme ça. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Déjà, la quiche, il faut qu'elle trouve comment ça s'ouvre, le truc. Oh là là, bah dis. Bon, je suis pas très douée, hein. Et là, j'entends
qui me disent Sylvie, c'est pas comme ça. Sylvie, c'est comme ça. Sylvie, c'est pas comme ça. Mais Sylvie, bah voilà, t'as juste à sortir le truc. Hein. Non, mais j'y crois pas. Encore, je disais, ça sent le chocolat, mais j'osais pas le dire. Parce que je me suis dit. Oh. Alors, je l'ouvre avec vous. Hein. Citron mimi avec un petit cœur. Ah, j'adore. Alors, il y a quoi là-dedans? Oh là là. C'est rempli de chair en fruits. Oh là là. Alors, oh bah, ces fleurs-là sont juste magnifiques. Regardez. C'est des petites fleurs avec un petit pendant. Ah, mais il y a de tout. Il y a un zèbre. Il y a des petits lapins. Ah, pour Pâques. Oh, le petit lapin. Vous n'allez peut-être pas le voir avec la fleur dans les cheveux. Ah, elle est trop mimi. Il y a un petit écureuil. Il y a une libellule. Il y a des crabes. Ah, la glace, elle est trop belle, celle-là. Ah, mais celle-là, elle est belle. Regardez. J'adore. Il y a des champignons. Il y a des petites filles. Il y a deux petits chéris qui se font des bisous avec un cœur. Merci énormément. Ah, c'est trop beau. Alors, moi, je les mets pas forcément en... Là, je vais essayer de me faire un bracelet avec. Je vous montrerai, j'ai un truc pour faire un bracelet. Et du coup, j'en avais pas, ça tombe bien. Merci beaucoup. Merci, merci. Alors, je dis pas, il fallait pas, hein, vous le savez, parce que quand on reçoit quelque chose, c'est la mode, ça. Tout le monde dit, oh, fallait pas. Et en fait, on est bien content de recevoir. Donc, c'est juste une sorte de politesse. Voilà, quoi. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, son petit truc. Regardez ce qu'il y a dedans. Oh, c'est cher. C'est des rochers. Oh là 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 là. Non, 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 non. Je mange pas maintenant. On va attendre, parce qu'il y a beaucoup de courriers à ouvrir. Je te remercie énormément. Merci beaucoup. C'est juste trop beau. C'est hyper bien fait. Il y a tout. Tout y est. Il y a le chocolat. Il y a tout. Le petit morceau là de papier. C'est sur un magazine, en fait. Là, ici, on a le petit morceau, le papier de la... Ah mince, de la tablette de chocolat. Les petits carrés. Les petits carrés sont trop bien faits. Voilà, et puis on a « Si tu oublies mon nom, crie chocolat et je me retournerai », voilà. Et ouais, bah oui. Alors lui, je le kiffe, lui. Ah, mais j'avais pas vu, il y a un petit papier vélum dessus, regardez. C'est un petit tag, il y a... Derrière, il y a un petit papier rose. Non, mais si je vous montre... Je suis pas avec la caméra, Sylvie, là. Hein. Et là, il y a un petit papier vélum. C'est trop beau. C'est mignon comme tout. C'est trop, trop mimi. Le petit clown avec sa fleur. Je te remercie énormément. Je te remercie beaucoup. Je vous retourne sur ma trombinette. Alors, si vous entendez, c'est les ouvriers qui sont en train de faire la scrap room bureau. Alors, j'ai reçu un petit... comme ça. Mais, j'ai pas de nom. J'ai pas de prénom. J'ai pas d'adresse. J'ai rien du tout. Donc, si tu veux bien, avec mon mail, m'envoyer qui tu es, ça me... Estelle, voilà. Estelle. J'ai rien d'autre. J'ai pas de nom de famille, j'ai pas de... Et j'ai pas de nom de famille, et j'ai pas de... Comment ? J'ai pas d'adresse. Donc, par mail, tu m'envoies ton nom de famille, ton prénom et ton adresse. Alors, donc, on a une petite carte en forme de tablette de chocolat avec marqué « Birthday » dessus. C'est bientôt mon anniversaire, c'est au mois d'avril, donc tu pouvais. Dedans, on a une petite fleur avec du papier livre. Et puis, on a une petite citation. « Je ne suis pas magicienne, mais je fais disparaître les tablettes de chocolat. » Oui, ça, moi, je le fais. Tout le monde va très bien, tout le monde va très bien. Je te remercie beaucoup. La tablette que tu m'as fait, je peux en manger tant que je veux. Bah oui, je sais. Ça ne me fera pas grossir.
Non, un carré à la fois. Non, mais tu rigoles ou quoi? Elle m'a mis un Kinder Country. Un carré à la fois. Non, mais les carrés, ils sont tout petits. Non, mais c'est une blague. Je vous montre les carrés. Et comme je l'ouvre, je suis obligée d'en manger. J'ai pas le choix. De toute façon, hein, depuis 3 jours, c'est le néant complet à l'intérieur. Donc, j'ai le droit de manger du chocolat. Ben oui, personne va m'en... deux à la fois. Voilà. En plus, ils sont très bons. Voilà. Et on parle pas la bouche pleine. Donc, tu m'envoies un petit coucou sur le mail pour m'envoyer tes coordonnées, s'il te plaît. Ensuite, j'ai une grande enveloppe marron avec du papier bulle. Je finis ma bouche, les filles. Attention, bonheur contagieux. C'est bien. Alors, ça se présente comme ça. Je pense que ça s'ouvre en haut, ici. Hop. Attention que je fasse rien tomber. On ouvre comme ça, comme ça. Ah ben, dis donc, c'est. Alors, je vais retirer le petit mot qu'il y a dedans. Ah merde, il est collé là-dedans. Attendez. Je vais faire autrement. Voilà. Je retire le mot qu'il y a dedans. Je réouvre et je referme. Donc, elle est comme ça, la carte. Hop, hop, hop. Il y avait la petite feuille avec le petit mot ici. Et là, je vois quelque chose. Je vois un truc, je vois un truc. Je vois un carré de chocolat. Alors les filles, si je mange du chocolat, c'est de votre faute, hein. Et il y a un petit morceau de papier livre aussi. Et il y a marqué le chocolat ne pose pas de questions, lui. Il comprend tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Pose douceur. Oui, de toute façon, moi, le chocolat, il me comprend. Hein. Alors, et voilà, c'est fait. Arrêtez de dire que c'est pas parfait, que c'est pas ceci. Mais si tout est bien pour moi. Eh bien, si tu t'es amusé, c'est le principal. Donc, ne dites plus. Non, mais non. Ah. Le tuto. Reste abonné à tes vidéos. Sans plus de tête. Non, mais j'ai pas envie d'en prendre la tête. Hein. Ouais, bah oui, bah c'est comme ça. Moi, quand c'est comme ça, c'est comme ça. C'est pas autrement. Hein. La quiche continue à faire des cacahuètes. Ouais, bah c'est ça, c'est mes expressions. Ouais, la bonne humeur toujours. Ouais, bientôt dans ma nouvelle scrap room. Hein, bientôt. Mais ça sent le chocolat, les filles. Hein. Ah, j'aime bien, moi. Oui, bah oui, c'est normal que ça sent le chocolat. C'était du papier de tablette de chocolat. Non, mais j'y crois pas. Sylvie, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Non, mais non, c'est très chouette, c'est bien fait. Non, non, arrêtez de vous auto. Faites-vous des compliments plutôt. Bon, alors, attention, ça va péter dans pas longtemps. J'adore. L'excitation, la sympathie, la joie et l'amusement. Bah, c'est tout ce qui me définit, regardez. Il y a des petits smileys, des petits timbres à smiley. Il y en a un, c'est l'excitation. L'autre, c'est la sympathie. Oh, je suppose que je suis trop sympathique qu'avec les gens qui ne sont pas. Voilà. L'amusement et la joie. Voilà. Ben, c'est tout à fait moi. Exactement. Alors, c'est Valérie V. Oula, Patty. Je ne vais pas couper quelque chose pour l'ouvrir. Ah, ben, ça y est, ça s'ouvre. Bah oui. Allez, bah oui. Voilà. Allez, hop là. Hop là. Ah, c'est trop mignon. C'est marrant ce petit truc là. Alors, on a une petite enveloppe qui est faite par toi, je suis sûre. Ici, fermée avec des petits papillons. Je retire tout et dedans, il y a une belle petite arabesque. L'enveloppe, je la garde. Parce qu'en plus, il n'y a rien écrit dessus. Alors, j'ai mon petit mot, je suppose. Hermès, tu arrêtes, s'il te plaît. Il est en train de se... Oh, c'est beau ça! C'est bien fait, dis donc! Vous voulez voir? Vous voulez voir?
Vous verrez pas. Vous ne verrez pas, vous ne verrez pas. Ah, mais c'est trop mimi, ça. Ah, j'adore. Regardez. La carte, elle est comme ça. Donc, c'est un gâteau. Voilà. Et quand on l'ouvre à l'intérieur, on a une part de gâteau, les filles. Ah, trop bien, c'est trop mimi, ça. Il va falloir que je zieute le truc. Donc, on a le petit morceau de papier livre dedans et on a la petite citation. Je propose une minute de silence. Ah ouais, pourquoi? Pour tous les chocolats morts pendant mes moments de déprime. Bon, alors les filles, autant vous dire que moi, c'est pas des minutes de silence qu'il va falloir. C'est des heures de silence. Hein. Oh, oh là que oui. Oh que oui. Des heures entières. Dis donc, le chocolat, t'as qu'à pas être là. Hein. Oh, eh. Chaque fois qu'on va dans un magasin, il m'appelle. Alors, je peux pas faire autrement. Hein. Ton écriture, elle est trop belle. Est-ce que je peux vous en montrer un petit bout? Ouais, regardez. Mais elle est trop jolie. Attendez. Je vais faire comme ça. Donc, je vais y arriver, je vais y arriver. Regardez comme elle est belle, son écriture. Elle est trop jolie. Bah nous, le soleil, ouais, disons, là, aujourd'hui, encore. Et la navigation est plus agréable aussi. Ah, mais ouais! Elle est sur une péniche. Ah, toi aussi, tu as une scrap room en route. Moi aussi, je te fais plein de gros bisous et elle a dessiné un petit bateau. Ah, je te fais plein de gros bisous. Donc, je ne vais pas les défaire parce que sinon, ils vont être abîmés. Parce que là, j'ai d'autres courriers. Ouais. Il y a des petits papillons qu'elle a récupérés sur un emballage bébé. Et moi, je fais pareil. Il y a des petits vélos, il y a des petites roses, il y a des feuilles, il y a des fleurs. Il y a plein de petites choses. Et Dieu sait que ça me sert parce que franchement, je m'en sers. Voilà, bah, d'abord, vous voyez sur les tutos. Hein. Ensuite, après, Nomeka, merci. Il n'a pas Mika, t'inquiète. C'est Myriam. T'inquiète, Myriam, il n'a pas Mika. Il n'a pas Mika. T'arrêtes de ronchonner, toi. Hermès ronchonne. Ivy vient de rentrer du vétérinaire. Elle a fait sa piqûre parce qu'elle boit beaucoup pour sa tendinite. Donc, du coup, on est retourné faire une piqûre. Oh là 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 là. Regardez. Qu'est-ce qui se cache derrière ce gros nœud blanc magnifique? Ah ah, des petits chocolats Milk. Ah mon Dieu, le chocolat et moi, c'est une grande... merci beaucoup Myriam. Une petite pochette avec un petit bonbon. Alors moi, c'est le chocolat et les fruitella. J'ai, vous savez, Magali qui fait du crochet, là, qui a mis ses petites choses en vente au restaurant, qui marche très bien. À chaque fois qu'elle va à Action, elle m'achète des fruitella. Mais c'est pas un paquet de fruitella, c'est des fois c'est deux, des fois c'est trois, des fois c'est quatre. Et si je vous disais combien ils durent les fruitella, bah vous ne me croirez pas. Donc, je ne le dis pas. Voilà. Une semaine. Quatre de fruitella. Quatre paquets de trois. 3 × 4, 12. Faut pas le dire. Magali, tu écoutes pas surtout. Donc, du coup, hop, on revient à nos moutons. On a une belle petite carte comme ça avec la tablette de chocolat, le petit morceau de papier livre, là et là, et il y a marqué... félicitations. Et quand on ouvre, attention, le chocolat fait rétrécir les jeans, hein, les filles. C'est pas la machine à laver, hein, c'est pas l'essorage, c'est pas tout ça. Hein. Non, vous l'avez à une bonne température, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème.
Mais arrêtez, oui, ça me convient. Merci beaucoup, en espérant que tu vas bien. Bah là, ça fait 3 jours. Faut que je récupère de mon truc de samedi, parce que bah, ça m'a fatigué énormément. Mais bon, après, hein, on s'apitoie pas sur notre sort. Basta, faut avancer. En avant, Josiane. Alors, Céline, c'est. Qu'est-ce que t'as, Hermès? T'as changé de plumard, t'as viré ta sœur pour prendre l'autre plumard pour être plus près de moi. Il est gonflé, lui, franchement. T'exagères un peu, hein, je crois. Ah, bah, pourquoi je ne peux pas sortir les affaires? Parce que tout est collé. Attendez, attendez, je vais y arriver. C'est tout collé là? Mais c'est collé dedans. C'est quoi ça? Je peux pas le sortir. Oh là, bah dis. Ok. Je vous baisse. Je vous baisse. Tu, chapeau pointu, chocolat, caramel tendre. Oh, chocolat. Chocolat. La fille, elle est déjantée aujourd'hui. Bah oui. L'autre araignée, là, m'a gonflée pendant je sais pas combien de temps, là. Ça, c'est du sopalin professionnel. Je le reconnais. Alors, pourquoi c'est accroché après ça? Oh là 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 là. Je le défais ou pas? Oui, c'est. Hop, défait. Faire attention aux agrafes avec les chiens. Parce que s'ils se le mettent dans la pâte. Et va que tous les petits trucs qu'il trouve, lui, il les mange. Il joue avec. Je regarde si les messieurs, ils passent pas. Ce qu'ils vont dire, mais alors elle est complètement cintrée. Elle est en train de parler toute seule dans son bureau. Elle a un problème dans sa tête. Bon. Bah dis donc, toi, c'est pas le papier que tu mets, c'est les agrafes, hein. Il y en a, ils mettent beaucoup de scotch comme moi sur les trucs et là, c'est ça grave. Chacun son truc, hein. Ah bon, peut-être elle a allongé par terre. Non, c'est pas grave. Ah, il est beau le papier, là. Alors, je vais pas tout sortir parce que j'avais pas envie de faire des cacahuètes. Il y a du papier, en fait. Ah bah tiens, du serviettage pour Pâques. Il y a plein de petites serviettes pour Pâques. Ah bah, je vais les mettre de côté. Hop. Le bordel qu'il y a là. Alors, elle m'a fait plein de petites découpes. Celle-là, elle est très jolie. Je sais pas quel papier t'as pris, mais il est très beau. Il est nacré, il est magnifique. J'aime beaucoup. Là, il y a des petits chats. Des petits chats. Un petit hérisson. Des petites girafes pour mettre sur une carte bébé. Et des petits nounours. Merci beaucoup. On continue. Pour Sylvie. Ben oui, c'est pour moi. Ah, je l'ai fait ce tuto. Regardez. C'est trop joli. Oh là là, avec le cœur au milieu. J'espère que vous. Attendez. Je remonte un peu. Je ne sais pas comment faire. Regardez comme c'est beau. Avec les cœurs au milieu. Et au milieu, il y a des petites profiteroles. Alors, je ne sais pas comment tu l'as su, mais c'est mon dessert préféré, hein. Les profiteroles avec les choux faits maison, bien sûr. Là, il y a du papier livre sur les petits coins. C'est juste magnifique. Alors, je ne suis pas magicienne, mais j'arrive à faire disparaître une boîte de chocolat. Ouais, moi aussi. Le chocolat ne fait jamais de reproches car celui-ci te comprend. Ouais, c'est vrai. Moi, tout le temps. Mais c'est trop joli. Les couleurs, en plus, elles sont bien coordonnées. Et. Ah, t'as mis un petit. Fil. Ouais, c'est trop beau. C'est très très joli.
très beau. Elle m'a marqué derrière qui c'était qui avait fait la carte et l'année. Parce que comme je garde toutes les cartes, j'ai deux boîtes là, des immenses qui sont là-haut. Je garde toutes les cartes. Je sais pas pourquoi. Ah, ben, c'est le papier que tu as utilisé là. Il est beau ce papier. Avec des petits papillons et des petites facettes. J'aime beaucoup. C'est très très beau. Le papier, il est trop beau. Bah, comment on fait pour l'ouvrir ta carte? Ah. Voilà, bah dis, ma passion pour les chats. Regardez le chat ce qu'il est en train de faire. C'est trop mimi. Il veut bouffer le poisson. Ah, me dis pas vous, hein. On me dit tu, hein. Non, non, tu me dis pas vous, hein. Non. Si tu me dis vous, ça va me faire prendre, je sais pas encore. Déjà, avec la maladie, j'ai pris je sais pas combien de piges dans la tête. Donc là, si jamais tu me dis vous, là, je vais prendre encore 10 ans dans la tronche. Ah, ça va être encore pire. Non, non, dites-moi tu. Ah, t'as pris beaucoup de plaisir. Ah, ça, j'aime beaucoup. Non, elle est très bien. T'es fière de toi, c'est le principal. Voilà, exactement. Ah, il n'y a pas longtemps que tu t'es mise au scrap lors du salon Creativa de Rouen. Oh là, arrête, tu vas me faire pleurer, hein. Alors, je le dis, hein, parce que je ne vous cache rien. Elle me marque, mais un mot très gentil. D'ailleurs, vous êtes tous très gentils. Vous le savez très bien. Vous savez ce que je pense. Au jour d'aujourd'hui, j'apprends beaucoup de vous. J'adore tout ce que vous faites. C'est un réel plaisir de vous suivre. Vous me donnez la pêche et vous remontez le moral malgré votre propre souffrance. Vous êtes une guerrière. Beaucoup de filles m'envoient des petits mails pour me dire que voilà que ça leur remonte le moral, que voilà. Mais les filles, il faut y aller l'avant. Il faut pas que ça vous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont malades et qui voilà, tout le monde ne pense pas la même chose que moi et tout le monde ne réagit pas comme moi. Mais ouais, il faut y aller de l'avant. Il faut taper dedans. Il faut. Là, je suis sur TikTok. Depuis un petit moment, je ne fais pas beaucoup de vidéos, je mets juste des créas. Et là, je suis remontée contre une personne, je vais le dire, qui s'appelle Morgane, qui s'est inventée une fibromyalgie, qui s'est soi-disant fait faire contre les chips pour avoir un fauteuil roulant. Enfin bref, j'en passe des pires et des meilleurs. Et elle a une fibromyalgie et il y a une autre personne qui est malade, qui lui pose des questions et qui lui dit qu'est-ce que tu prends comme médicament en fait? Elle prend que du Doliprane. Et la nana, elle fait de la danse, elle fait tout ça. Fibromyalgie, mon 1, CUL, hein, en étant poli. Tu danses pas autant que tu fais là ce que tu es en train de faire. Tu fais de la course, machin, tu fais de la samba, tu fais tout ça. Fibromyalgie, tu fais pas ça et tu te soignes pas avec du Doliprane. Et en plus, la cagnotte que tu as fait. Je le dis parce que peut-être qu'elle passera par là et qu'elle m'entendra parce que je vais faire un truc sur TikTok aussi. Parce que je conçois pas qu'on s'invente et qu'on se fasse passer et que voilà, alors qu'il y a des gens qui souffrent et qui sont malades. Et une cagnotte Letchi pour avoir un fauteuil roulant. Ma bichette, un fauteuil roulant. Tu remplis à la MDPH. Déjà, tu dois avoir une carte handicapée. La MDPH pour pouvoir avoir un fauteuil roulant. Ils viennent voir chez toi si vraiment tu en as besoin ou quoi que ce soit. Et vu comment tu danses la samba, comment tu fais tout ça, ma nana, hein, tu prends vraiment les gens pour des cacahuètes. Mais enfin bref, c'est pas le cas. C'est pas le sujet. J'espère que les travaux de ta scrap avancent bien. Oui, ils avancent magnifiquement bien. Vous devez avoir hâte de vous y installer. Ouais, mais qui va doucement, va sûrement. Je ne veux pas faire n'importe quoi. Je ne veux pas non plus aller acheter les meubles, puis qu'après je me dise, bah non, si j'avais su, on va aller tout doucement. Qui c'est qui pleure? Ça veut dire qui pleure? Pourquoi tu pleures, ma fille? Alors, vous devez avoir hâte de vous y installer pour faire votre petit refuge. Ouais. Eh ben attends, c'est très bien, je suis contente pour toi. Je te fais des gros bisous, Céline. Des gros, gros bisous. Voilà, bon, ben, les filles, je dis plein de choses. J'ai vu pour Saloé, c'est un prénom magnifique, mais compliqué à dire, parce qu'on ne le rencontre pas souvent. Voilà, mon petit coup de gueule pour cette gonzesse-là qui est sur
TikTok et qui racontent n'importe quoi alors qu'il y a des gens qui sont en train de souffrir. Et puis moi, j'ai reçu énormément, énormément de chaleur, énormément de gentillesse dans ces 2 jours qui ont été très compliqués. Et énormément, énormément, énormément de chocolat. Voilà. Donc ceux qui arrivent vont dire, bah alors elle est complètement ravagée dingue, faut que j'aille chez le coiffeur. Ouais, faut que j'aille chez le coiffeur. Parce que vous allez finir par me dire, Sylvie, faut que tu ailles chez le coiffeur. Oui, Sylvie, il faut qu'elle aille chez le coiffeur. Oui, et en plus, il faut que je me les fasse couper tout court, comme je vais bientôt rentrer à l'hôpital. Du coup, que je vais être allongée, je vais. Hop. Donc du coup, il faut que je me les fasse couper tout court. Voilà. Donc du coup, je vous fais plein de bisous. Le concours se finit aux alentours de mi-mars. Voilà, là je vais commencer à aller sur Lyon à partir de la semaine prochaine. Voilà, je vous ferai des petits vlogs de temps en temps. Et puis je vais garder la pêche. Hein, voilà, tu m'auras pas? Non, non, elle m'aura pas, elle m'aura pas. Elle m'aura pas, elle m'aura pas. Voilà, donc je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, les Sildingos, les Sildingotes. Scrapez bien. Je vous mets le petit lien pour aller voir ce que fait Saloé. Et je vous dis à bientôt. Et surtout, surtout, ne vous prenez pas la tête. Ça ne sert à rien. Bisous, bisous. Ciao, ciao.